Il y a beaucoup de parmi vous qui regardent mes vidéos, donc je peux dire à 100 sur 90% regardent mes vidéos par le téléphone. Donc beaucoup aussi me demandent comment faire pour s'abonner. Vous devez juste venir là, juste là, là où c'est écrit abonner, et vous likez là. Et si vous voulez me poser des questions, vous venez juste là, là où il y a le point là. Vous cliquez là, le point va changer de direction et vous montez, voilà, mes contacts. Et si vous voulez, et si vous me regardez par l'ordinateur, vous devez vous abonner, la même chose par ici. Là où c'est écrit à mon nom, et s'abonner à là et liker par là. Et si vous voulez me poser une question, là où j'appelle barre d'infos, vous montez juste la, votre, avec, votre, avec la souris. Là où c'est écrit plus, voilà, vous allez voir tous mes contacts sont là, que ce soit par Instagram et ou Twitter ou bien Facebook et par email. Et voilà. Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. J'y vais avec une astuce. Donc, si, je ne sais pas hein, si c'est vraiment possible, mais j'ai quand même dit que je vais faire l'astuce là. Je ne sais pas si vous pouvez rendre votre homme fidèle à vous. Avec un truc vraiment naturel. Donc, j'ai deux choses ici là. Ça, c'est pas ça, mais c'était parce que le cheveu, tu n'allais pas voir mon, le cheveu. Hein. Mon cheveu, vous n'allez pas voir ça à la vidéo. Avec du miel, quoi. Donc, vraiment, c'est une astuce vraiment très simple. Mais qui ne risque, comme j'ai dit tout le temps dans mes vidéos, qui ne risque rien à rien. Si vous êtes vraiment une personne qui pense que vous pouvez rendre votre mari ou bien votre femme fidèle, mais ça, c'est vraiment difficile. Parce qu'il y a souvent... on veut bien, mais on veut bien rester fidèle à sa personne, mais c'est la personne qui nous pousse à aller voir dehors. Ou bien, on a les trucs... Que notre personne ne peut pas nous fournir ou bien nous donner ou bien nous rendre vraiment. Ou bien, par exemple, la personne nous donnait ça, mais il y a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'on ne peut plus. Mais on continue comme il y a... Moi, j'ai un ami qui m'a dit une fois que... Ah, tiens, Jean, tu vois, moi, j'aime bien aller à la piscine tout le temps, tout le temps. Mais ma femme, elle n'aime pas aller à la piscine. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime aller à la piscine. Donc, avec le temps, avec l'âge, on change. On veut avoir autre chose, on veut faire autre chose. Mais notre personne n'est pas prête à nous suivre là-dedans. Là, il y a d'autres personnes, c'est vraiment, c'est un peu... ils ne savent pas quoi faire, mais ils n'aimeraient pas aller tout seul, quoi. Il faut quelqu'un qui l'accompagne. Et là, on se voit en train de se tromper par rapport à sa personne. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas la personne. Vous voyez, moi-même, mon mari m'avait dit ça, et c'est vrai. Parce qu'il aimait aller tout le temps dehors. Il me disait, mais Jeanne, attention, si tu... ne faut pas me laisser tout le temps aller seul. Mais je pense qu'il avait raison. Bon, qui ne risque rien, dit encore une fois, qui ne risque rien à rien. Essayez un peu, voir si ça peut marcher. Bon, là, vous avez besoin des cheveux de la personne. Donc, de votre personne, vous prenez les cheveux de votre personne, ah oui. Que vous allez couper, ça ce n'est pas les cheveux, hein, c'est parce que juste parce qu'il fallait que je vous montre un peu, juste vous montrer quoi. Vous prenez les cheveux de la personne, même juste un cheveu comme ça de la personne, un seul, que vous allez vraiment brûler. Parce que c'est mieux de brûler, vous allez bien brûler pour que ça soit en poudre. Que ça soit en poudre, quoi. Et vous allez prendre le miel, mélanger très bien le miel et aller alors sur votre lit conjugal. Donc, parce que si vous êtes, ça peut être même un ami, hein, vous prenez dans le lit que vous dormez tout le temps. Donc, vous allez prendre la poudre des cheveux que vous avez brûlé, mélanger avec du miel. Donc, allez, par exemple, comment dire ça? Frotter sur... sur les planches du lit, quoi. Sur tout autour de la planche, comment je peux... Donc, je vais un peu prendre ça, ça là, comme ça là. Vous allez vraiment oindre ça, oindre tout le bois du lit. Tout le bois du lit avec un peu. Si vous voyez que tout le temps que ça ne marche pas, répétez l'histoire tout le temps que vous voulez. Hein, ça ne nuit personne. Hein, c'est sur votre lit. C'est pas la magie. C'est un truc vraiment naturel. Ce sont vos cheveux. C'est du miel. C'est votre lit. Bon, c'est naturel. Donc, bon, prenez comme vous voulez. Si vous voulez, dites même que c'est la magie. Ne faites même pas. Mais ne m'insultez pas.
Si vous m'insultez, je vais aussi vous insulter, c'est clair. Voilà, voilà ma vidéo. Donc, une fois encore de plus, si vous pensez que c'est possible que votre homme reste fidèle à vous, essayez qu'il ne risque rien à rien. Vous avez besoin des cheveux de la personne avec du miel. Donc, que vous allez faire brûler et prendre la poudre de ça avec du miel que vous allez bien mélanger et prendre et aller dans votre lit conjugal sur les... sur le bois et oindre le tout sur le bois et voir si vous il va encore vous tromper. Bon, on ne sait jamais, parce qu'un homme reste un homme, hein. Surtout les hommes, il reste un homme. Quand un homme a besoin, il a besoin. Comme a dit, j'avais encore un autre ami qui me disait que Jeanne, mais j'ai des besoins. Parce que lui, il a posé la question, mais pourquoi tu trompes ta femme? Il me dit que mais moi, j'ai des besoins. Donc, il a les besoins. Il ne peut rien, il ne peut rien. Voilà, voilà mon astuce. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas pour vraiment vous abonner. Moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.